Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, comme tous les jeudis, on a l'équipe de l'Institut français avec nous. On a Cécile Lambeau qui est avec nous, qui est responsable marketing et communication, relations publiques à l'Institut français. Bonjour, Cécile. La bonjour, comment tu vas? Ça va bien, toi? Tu savais déjà que j'allais dire bonjour, donc tu as pris les deux. Oui, je sais. Alors, quoi de neuf ce matin pour l'Institut français? Il y a quoi là-bas au programme? Alors, au programme, aujourd'hui, on a une conférence l'Afrique dans le bruissement du monde avec deux intervenants, Bertrand Badie et Marc Guillaume, qui vous ont parlé de... Bertrand Badie va nous parler de son ouvrage « Quand le Sud réinvente le monde », qui nous parle de la remise en question, la recomposition du système par rapport aux pays développés, aux pays en voie de développement, et comment les pays en voie de développement prennent leur place et doivent impacter, recomposer le système, reprennent la main par rapport aux pays développés. Donc ça, c'est à 18h ce soir. C'est complètement gratuit et ça permet d'en savoir plus sur comment le système s'est recomposé et comment l'Afrique prend sa place dans ce système, et notamment le Gabon. Ce soir aussi, à 19h30, on a la finale de Tremplin Jeunes Talents. Boudier en finale. Oui, Boudier en finale, éloquent. Et j'espère que vous viendrez. C'est ce soir. Oui, d'accord. C'est ce soir à 19h30. Donc c'est la dernière étape. La dernière étape, exactement, avant la fête de la musique. Sachant que le gagnant sera présent et fera un concert à la fête de la musique, qui est le 21 juin. Donc voilà, ça permettra de propulser le gagnant sur la scène internationale et de lui donner plus de visibilité. Donc c'est vraiment l'objectif de ce tremplin, c'est de leur donner toute leur puissance et de les accompagner, en fait. Exactement. Ouais. Donc c'est une étape décisive pour eux et il faut les soutenir, leur donner de la volonté. De la force, en fait. Exactement. Je vais soutenir déjà mon candidat là, mais je vais affaiblir les autres. Tu as ton candidat. Oui, j'ai déjà mon candidat. Ok. Ouais, je vais affaiblir les autres. Donc. Mais et puis voilà, il faut aller soutenir Boudi. Elle va gagner. Il faut soutenir, ouais. Chacun son candidat. Chacun son candidat. Oui, ils sont trois, mais nous, moi j'ai mon candidat. Ouais, donc je peux bien choisir déjà. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, samedi, on a le concert de Bakonga, qui Simba. Est... Flore... Oui, Simba. Oui, Simba, c'est ça. Simba, c'est sur la flore sauvage. C'est un concert, donc c'est à 10 000 francs l'entrée, mais voilà, c'est une occasion. Bakonga ne vient pas forcément très, très souvent faire des concerts à l'Institut français, donc il faut venir... assister à ce nouveau concert donc sur la flore sauvage gabonaise. On reprend le cinéma également, on a des nouvelles sorties cinéma. Yes. Ouais, c'était un petit peu en pause ces deux dernières semaines avec un film d'horreur. Conférences. Non, pas de film d'horreur, on a Godzilla 2, donc c'est un film d'action, de science-fiction. Mercredi à 20h et jeudi à 17h30, jeudi 20. On a Aladdin aussi, pas le dessin animé, mais c'est un film, la reprise d'Aladdin. Mercredi 19 à 17h30. On a aussi un film français, Just Gigolo, mardi 18 à 20h, et un autre film français, En guerre. Mardi 18 à 17h30. Donc voilà, 4 sorties cinéma et ils sont tous à l'affiche la semaine prochaine. L'entrée, c'est combien? Alors, l'entrée, c'est 5000 francs à 20h, 4000 pour les adhérents, et c'est 4000 francs quand c'est à 15h et 17h30 et 3000 pour les adhérents. Donc, c'est un peu moins cher l'après-midi et un petit peu plus cher le soir. On a une dernière chose, mercredi 19 juin à 19h30, donc mercredi prochain, une scène d'improvisation théâtre avec l'atelier Eyeno, qui est fondé par Michel Ndao. C'est la deuxième scène d'improvisation théâtre
de ce semestre. Donc ils vont prendre des thématiques diverses, le voyage, les relations amoureuses, le travail, la vie quotidienne, des sujets qui parlent à tous, et en parler, faire des improvisations théâtrales sur ces sujets-là. On va regarder le trailer de Godzilla, et puis on se retrouve. Oui. Allô? Y a quelqu'un? J'essaie d'appeler. Messieurs, nous pensons que ces titans ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Lesquels d'entre eux sont là pour nous protéger? Et lesquels d'entre eux sont là pour nous menacer? Vous voulez faire de Godzilla notre animal de compagnie? Non. Ce serait notre maître. Vous êtes sûr qu'il n'est pas en danger? Ils sont partout. Ils luttent pour la suprématie. L'émergence d'un rival alpha à Godzilla. J'hallucine. Godzilla, c'est ça? Oui, Godzilla. À l'Institut français. À l'Institut français. C'est combien l'entrée? Alors, je regarde par... À 20h, c'est 5000 francs, 17h30, 4000 francs. C'est quand? C'est mercredi 19 et jeudi 20. D'accord. D'accord. Il y a une dernière chose dont j'ai oublié de parler. Ça commence aujourd'hui, on a des ateliers zéro déchet, fabrication de cosmétiques naturels et fabrication de produits ménagers. Donc aujourd'hui, c'est un atelier parents-enfants de 15h à 17h sur la sensibilisation au zéro déchet pour donner aux enfants voilà, des bases par rapport à la gestion des déchets à la maison. Samedi de 10h à midi, on a un atelier de produits ménagers fait maison. Donc comment on crée ces produits ménagers à partir d'ingrédients tout simples qu'on a dans notre placard. C'est de 10h à midi et de 14h à 16h, c'est cosmétiques fait maison. Donc pareil, comment on crée ses propres cosmétiques à partir de peu d'ingrédients pour montrer que c'est accessible à tous, c'est facile et ça permet voilà, d'utiliser des produits naturels qui ont un faible impact environnemental et aussi qui sont meilleurs pour la santé. Donc ces ateliers sont gratuits mais sur inscription parce que les places sont limitées. Donc il faut envoyer un petit WhatsApp pour s'inscrire à ces événements. Voilà, j'ai fait le tour. Donc les ateliers cette semaine, la conférence ce soir sur l'Afrique au cœur du monde. La finale de Tremplin Jeunes Talents ce soir aussi. Le concert de Bapunga samedi. Exactement. Le cinéma. Le cinéma et mercredi prochain, la scène d'improvisation théâtre. D'accord. Merci Cécile d'avoir accepté notre invitation. Merci. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Stop Fresh Morning.